Salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite un très très bon début de semaine. Voilà, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je m'appelle Samuel Savadogo. Je suis coach formateur en crypto-monnaie. Je suis investisseur, je suis trader et également je suis marketeur. Donc, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout simplement les prochaines vidéos que nous allons sortir ici. Donc, abonne-toi. Oui, abonne-toi, on va avancer, c'est ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour tout vous dire, je ne suis pas un conseiller en investissement. Donc, avant de faire quoi que ce soit, voilà, quelque chose, il faut prendre tout simplement de faire vos petites recherches avant tout simplement de vous aventurer. Tout ceci étant dit, alors, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous savez très bien que cela fait un bon moment que je suis en train, que je vous parle ici d'un robot trader qui est Royal Q. Voilà, qui trade les crypto-monnaies en spotant tout simplement pour vous. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner cinq raisons qui, en réalité, m'ont poussé, bien sûr, à démarrer Royal Q, à faire le business tout simplement. Donc, ces cinq raisons, je vais les partager avec vous. Mais avant cela, on va se retrouver très rapidement dans le marché de la crypto-monnaie. On va se retrouver sur le graphique du Bitcoin pour voir un peu le comportement du marché. Voilà, parce que ce matin, le robot nous a fait plaisir. Il y a une légère remontée des crypto-monnaies. Donc, vraiment, voilà, ça sonnait très bien. Et donc, on va se retrouver rapidement pour aller voir tout cela de près. Et ensuite, je vous donnerai donc les cinq raisons qui doivent vous pousser en réalité à démarrer Royal Q maintenant sans attendre. Si ce, on se retrouve sur mon écran et là maintenant. Voilà, et donc, ici, nous sommes ici. Voilà, sur les graphiques du Bitcoin en jour. Voilà, donc mes tracés sont encore là pour ceux qui me suivent depuis le début. Voilà, je vous avais dit que le Bitcoin allait se retourner à ce niveau. Effectivement, ça s'est retourné. Et donc là, on était en pleine baisse ici. On était en train de baisser, 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 baisser. Et donc là, on est arrivé à ce niveau, c'est-à-dire autour des 19 000 dollars. Et tac, on est reparti à la hausse. Bon, il y a nombreux qui m'ont envoyé des messages. Sam, écoute là, bon, le Bitcoin est en train de repartir. Quel est ton avis? Qu'est-ce que toi tu dis? Et tout ça. Bon, moi je vais juste prédire. Ce que je vois ici, c'est que là, ici, là, ce que vous voyez, le tracé qui est juste là, là, c'était tout simplement un support. Quand les marchés retournaient ici, c'était un support. Voilà, c'était en réalité, parce que là, vous voyez ici, les marchés avaient freiné ici un tout petit peu, et après, pim, ça a cassé ce niveau-là. Donc, ce niveau-là était considéré comme en réalité une petite résistance. Et donc là, voilà. Donc, vous avez constaté, quand c'est monté, c'est revenu buter sur la résistance qui est là et reparti aux 25 000 dollars. Donc, ici est désormais reconsidéré comme un support qui est là. Voilà, donc un support, il faut casser le support. Et le support a été cassé fortement par cette bougie-là. Je ne sais pas si vous la voyez, celle-là. Fortement avec cette bougie. Donc pour moi, c'est un rebond. C'est-à-dire qu'on est en train de rebondir. Vous voyez ici, quand on a cassé ici, pim, on est parti comme ça et on a rebondi à la baisse ici et paf, on est reparti en haut. Donc là, moi, je vois ça en un rebond, même si le Bitcoin a haussé légèrement pour dépasser les niveaux du rebond. Moi, je vois qu'ils sont allés chasser, en fait, les stop loss et autres, tout ça. Voilà. Donc là, ici, je trouve ça comme un rebond pour moi. Hein. Voilà, le marché peut se comporter. Moi, je ne peux pas dire réellement 100% ce qui se passe, mais moi, j'ai fait que dire, moi, j'ai fait que vous montrer, en fait, mes connaissances, en fait. C'est bon? Donc ici, moi, je vois ça en rebond. Donc, le marché a rebondi ici, comme ça. Et donc, pour moi, ça va redescendre toujours. Voilà. Mais tout est-il que c'est les marchés, ça reste les marchés. Moi, je peux prédire ça et puis les marchés vont aller à la hausse. Mais ce que moi, je vois, c'est que ce n'est pas une hausse, en tout cas pour moi, ce n'est pas une hausse qui sera vraiment importante. Le marché va redescendre tout simplement. Donc, voilà ce que je peux dire sur les marchés. Voilà pour ceux qui voulaient en savoir un peu. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Alors, nous allons maintenant entrer dans les cinq raisons qui doivent vous pousser à démarrer Royal Q. Pour ceux qui ne connaissent pas Royal Q, il faut savoir que c'est un robot trader, un logiciel qui trade tout simplement la crypto-monnaie sur votre compte de trading. Je vais dire quoi par là, dans votre compte de trading, ça peut être Binance, ça peut être Yobi, ça peut être Kraken, ça peut être Coinbase. Vous déposez tout simplement un capital là et vous allez utiliser une clé API pour connecter au robot, pour autoriser le robot tout simplement à acheter et vendre des crypto-monnaies. Les marchés de la crypto-monnaie bougent. Voilà, mais combien de temps vous avez pour passer le temps devant vos écrans pour acheter et revendre, acheter et revendre? Donc, lui, il fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 heures pour vous, tout simplement. C'est tout simplement extraordinaire. Donc, les cinq raisons qui m'ont poussé à démarrer Royal Q et à faire Royal Q. Première raison, c'est que le robot fait du trading spot. Alors, qui parle du trading spot ici? On est sur mon écran. Qui parle du trading spot ici veut dire tout simplement que quoi? Quand on vient dans notre compte ici, voilà, on est sur Binance actuellement. On vient dans notre compte Binance et on a le Bitcoin à 22 000 dollars actuellement. Donc, nous, on décide tout simplement d'acheter le Bitcoin à 22 000 dollars. Donc, ça, c'est du trading spot.
Il y a ce qu'on appelle le futur trading. Le futur trading, vous déposez des USDT et vous achetez du Bitcoin et on vous dit que vous avez injecté, par exemple, 100 dollars dans l'achat du Bitcoin. Et donc, si le Bitcoin se retourne contre vous, alors les 100 dollars seront en train d'être épuisés. Ils seront en train de bouffer les 100 dollars. Une fois qu'ils ont fini de bouffer les 100 dollars, c'est fini, c'est terminé. On dit 100% de votre argent est fini. Alors que quand je prends 100 dollars en spot, quand j'achète la crypto-monnaie, voilà, quand je prends 100 dollars en spot, que j'achète les bitcoins, on ne va pas laisser ça en USDT, mais ils vont convertir ça en des pièces de bitcoin. Donc, tant que le bitcoin ne revient pas à 0,00, cela voudrait dire que j'ai encore mon argent qui est là. Et lorsque le bitcoin va remonter, alors je pourrais tout simplement, voilà, vendre mes bitcoins et récupérer mon argent, bien sûr, avec les profits. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le trading spot. Donc, le trading spot, il s'agit d'acheter une pièce et attendre tout simplement qu'elle monte. C'est ce que tout le monde fait. Voilà, c'est ce qu'on a, on fait sur du long terme. On achète des crypto-monnaies et on attend que ça hausse tout simplement. Même si ça baisse, on s'en fout. Voilà, parce que ça va remonter. Alors, deuxième raison, c'est que l'argent est dans votre wallet. Ça veut dire quoi? L'argent est dans votre portefeuille. Vous n'envoyez pas l'argent à quelqu'un. Non. Vous déposez votre capital dans votre portefeuille, soit Binance, soit Kraken, soit Yobi, ça dépend du portefeuille que vous utilisez. Et le robot va tout simplement acheter et vendre. Ça s'arrête là. Je n'envoie pas mon argent à quelqu'un, ça est dans mon portefeuille. Donc, voici la deuxième raison qui va pousser à démarrer Royal Q. Alors, vous avez le contrôle. Troisième raison, c'est que vous avez le contrôle total de votre argent. Vous n'envoyez pas l'argent à quelqu'un, vous avez le contrôle. C'est votre argent, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez dire, bon, robot, calme-toi, moi, je vais récupérer mon argent, je vais aller faire quelque chose, je reviens. Bon, écoute, là, attends un peu. Donc, c'est vous qui avez le contrôle total de votre argent. Votre argent n'est pas bloqué par quelqu'un, ni par une institution, rien. Ça est dans votre portefeuille. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez de votre argent. Troisième raison, les amis. Donc, quatrième raison, il n'y a aucun risque. Oui, moi, je dis qu'il n'y a aucun risque. Parce que si le robot achète une crypto-monnaie, la crypto peut descendre. Je suis bien d'accord avec ça. Bien descendre même. Mais la crypto ne va pas en réalité disparaître. La crypto ne va pas disparaître. Ça fait un de deux, la crypto va remonter. Une crypto qui descend va toujours remonter. Donc, vous n'avez aucun risque pour dire que non, voilà. Non. La crypto peut descendre, ça va remonter. Autre chose, c'est que puisque vous n'envoyez pas votre argent à quelqu'un, vous avez le contrôle total de votre argent. Donc, il n'y a pas de risque pour dire que non, ah, voilà, il y a tel site, on a investi sur tel site, le site a disparu, voilà, on a mis notre argent ici, ça se camait. Non, ça ne va pas vous arriver parce que l'argent est dans votre portefeuille. Sauf si c'est Binance même qui va disparaître avec le portefeuille totalement. Sinon, l'argent est dans notre portefeuille, on s'en fout. Même si par extraordinaire, le robot décide de partir, il s'en va seul. Le robot s'en va seul. Mais il laisse l'argent dans notre portefeuille. C'est le plus intéressant. Aucun risque. Vous ne prenez pas de risques de perte d'argent ou bien des scams, des fermetures, des sites et autres, tout ça. Non, tout cela ne va pas vous arriver. Et la cinquième raison, c'est la baisse ou la hausse des crypto-monnaies. Si une crypto-monnaie baisse, on s'en fout. Le robot va patienter. Le robot ne va pas vendre. Le robot ne va rien faire du tout. Le robot attend. C'est lorsque la crypto-monnaie va commencer à remonter que le robot va tout simplement vendre la position qu'il a ouverte tout simplement. Donc, vous voyez, il y a tout simplement des points extraordinaires avec ce robot-là. C'est la raison pour laquelle chacun doit tout simplement démarrer Royal Q. Il faut démarrer Royal Q. Imaginez-vous, vous qui avez déjà perdu de l'argent en ligne, vous qui avez investi sur des sites CAM, voilà, des sites tels que, j'ai dit de n'importe quoi, Péton, PEO, tout ça. Des gens ont investi de l'argent. Et aujourd'hui, là, tout a fermé. Ça a fermé. Mais imaginez-vous que c'est sur un robot comme ça que vous avez déposé dans votre portefeuille. Même si le marché était descendu, comment, mais au moins, vous avez votre argent qui est dans votre portefeuille, qui attend la hausse de la crypto-monnaie pour récupérer votre argent. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Vous avez le contrôle de votre argent. Même si le marché de la crypto-monnaie descend, ça va toujours remonter et vous aurez toujours votre argent. Raison pour laquelle je vous invite à investir à Royal Q. OK? Donc, à la description de cette vidéo, je vais laisser les liens pour ceux qui veulent tout simplement s'inscrire à Royal Q. Il faut aller à la description. Il y a tout simplement les liens pour vous inscrire. Je vais laisser une vidéo également dans la description de la présentation totale de Royal Q pour que vous puissiez comprendre et démarrer ce business-là maintenant. Parce que moi, je trouve carrément, il y a des gens qui disent non, quand la crypto-monnaie descend, oui, mon capital attend, ça dort. C'est pas mieux que perdre. C'est mieux que perdre, les amis. C'est mieux que perdre totalement son argent. Ça attend, mais ça va repartir.
Donc, c'est mieux que perdre son argent. Donc, je pense que c'est le bon endroit pour investir vraiment son argent avec moins de risques possibles. OK? Voilà. Donc, vaut mieux, c'est réservé, vaut mieux quand même contrôler les risques plutôt que de prendre de gros risques pour perdre des grosses sommes. Voilà. Donc, moi, je pense que Royal Q est le meilleur business en crypto-monnaie en termes de trading spot, des crypto-monnaies. Trading spot, je répète, c'est des spots. Voilà, c'est la crypto-monnaie réelle, des pièces de crypto-monnaie que le roi achète et revend. Voilà, ne fais pas du futur trading. OK? Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et surtout, à la description de cette vidéo, il y a un lien qui te permet de rejoindre notre groupe Telegram. Rejoins rapidement pour ne pas manquer tout simplement les informations que nous donnons dans le groupe. Sur ce, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie et prenez soin de vous depuis vos différentes positions. Ciao!